President. International Lesbian and Gay Association. Monsieur le Vice-président, le lundi 15 juillet dernier à 10h45 à Yaoundé, j'ai découvert le corps inanimé de mon collègue de la Cameroonian Foundation for AIDS, CAMFED, notre grand ami activiste de la santé communautaire, défenseur des droits des personnes LGBT, journaliste et écrivain Eric Lembembe, enfermé de l'intérieur de sa chambre après avoir été sauvagement assassiné et torturé. Ce crime intervient après une série d'attaques, de menaces et d'arrestations envers les membres de la communauté LGBT et de leurs défenseurs. Eric Lembembe dénonçait à travers ses articles, des publications, ses attaques et leurs instigateurs, harcelés verbalement au téléphone, par email, par SMS et même arrêtés et mis en garde à vue. Eric n'a pas pris en compte ces menaces. Cela lui a coûté la vie. Depuis ce crime, la situation d'insécurité pour la communauté LGBT a continué à s'aggraver. Tout en remerciant le gouvernement camerounais pour sa participation à l'EPU, nous attirons l'attention sur le silence par rapport à la situation d'abus des personnes LGBTI et de leur défense et de leurs défenseurs. Nous exhortons le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations acceptées pour enquêter sur les violences et menaces à l'encontre des personnes et des défenseurs des LGBTI, mais aussi celles recommandées et rejetées pour les défenseurs des personnes LGBTI. Nous demandons que la lumière soit faite sur l'assassinat d'Eric Lembembe Ohina et que les auteurs soient recherchés, poursuivis et condamnés. Que le gouvernement enquête, poursuive et condamne les responsables de la série de menaces d'attaque à l'égard des défenseurs des droits des personnes et à l'égard des défenseurs des droits de l'homme. Que le gouvernement condamne toute manifestation insistant à l'homophobie et aux crimes qui en découlent. Que les organisations de défense